Donc, bienvenue, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire sur la réforme de la formation. Donc, comme son nom l'indique, on a 25 minutes, donc on va se centrer sur le point vraiment de ce qui a changé à partir du moment où la loi est rentrée en discussion à l'Assemblée. On avait déjà eu un webinaire précédent où on faisait le point sur finalement l'avant-projet qu'on avait à l'époque. Nous disposons maintenant de la petite loi, donc après le passage à l'Assemblée nationale, et on va faire le point sur ce qui a bougé particulièrement. Donc on va refaire un point sur les échéances qui ont changé, le financement, puisque maintenant on va voir que toute la tuyauterie passe par un seul point. Est-ce qu'il reste des opportunités de co-investissement entreprise-collaborateur en matière de formation? Quelle est l'évolution des obligations d'employeur? Et c'est là qu'on va parler justement, c'est dans vos questions. C'est là qu'on va parler de l'évolution de la sanction finalement du bilan à 6 ans. Et puis quelques points sur finalement les bonnes questions à se poser pour sa politique formation. Voilà. Alors, on commence par les échéances. Donc, j'espère que ce n'est pas trop petit pour vous, mais ce qu'il faut bien noter, c'est toujours si on. Donc là, on est là. On est dans le parcours législatif. Et on est en train, la loi est en discussion au Sénat. Sans doute qu'il y aura un retour vers l'Assemblée nationale, voilà, et finalement c'est l'Assemblée nationale qui tranchera pour une promulgation de la loi qui est envisagée en septembre. Donc on devrait, c'est bien sûr un conditionnel, avoir les décrets d'application d'ici la fin de l'année. Alors, Elodie, je vois que vous avez levé la main. Elodie, pour poser vos questions, le mieux, c'est d'utiliser le module de chat, en fait. Et donc, Sophie, qui est en backup, répondra à vos questions. Voilà. Donc, dès la promulgation de la loi, on a des choses qui seront tout à fait applicables, hein, comme la nouvelle définition de l'action de formation, le changement de nom du plan de formation qui devient plan de développement des compétences, c'était aussi une de vos questions, la création de France Compétences. En octobre, les branches professionnelles on leur demande de désigner leur futur OPCOM, c'est-à-dire elles sont en train de se regrouper. Vous savez qu'il y a aujourd'hui 22 OPCA et donc il y aura à terme entre 10 et 15 opérateurs de compétences. Donc les branches vont dire à quel opérateur de compétences elles souhaitent se rattacher pour un agrément de ces nouveaux opérateurs de compétences au 1er janvier. Donc soit c'est l'OPCA qui reste avec d'autres branches qui le rejoignent et qui devient finalement opérateur de compétences avec un agrément, soit on crée un nouvel OPCOM avec plusieurs branches qui le rejoignent, etc. Courant 2019, plusieurs choses, la monétarisation du CPF, le lancement de l'application en ligne qui permet à chacun de choisir sa formation au titre du CPF. Jusqu'en 2019, finalement, le fonds GESTIF continue la gestion du CEP et du CPF qui sera devenu entre-temps CPF de transition professionnelle. Et puis à partir de 2020, on a la mise en place des nouveaux opérateurs de compétences définitives. Et à partir de 2021, la collecte par l'URSSAF et la certification des organismes de formation. On avait également une question d'Elisabeth là-dessus. Le son a coupé, donc Marianne, Catherine, je vous laisse voir avec Marianne si c'est un problème de téléphone ou autre. Les taux applicables, monsieur ou madame Recor, on va en parler. Oui, ne vous inquiétez pas. Le rôle de France Compétences, on y arrive très très vite. Alors, regardez la personne qui pose la question, c'est Sandrine, pardon. Voilà, regardez Sandrine. Le rôle de France Compétences, ben, il est là. Et c'est très, très explicite parce qu'en fait, il est au cœur du dispositif, vu que, et ça a changé au fil de la discussion à l'Assemblée nationale, finalement, France Compétences est le point par lequel passe toute la tuyauterie financière. C'est-à-dire les entreprises versent leur contribution. Alors pour répondre à une question que j'ai vue dans le fil de la discussion, la contribution formation reste de 1%, elle ne change pas, la contribution apprentissage reste de 0,68, hein, 0,6 plus la péréquation. Tout ça est versé à l'URSSAF et pouf, ça arrive tout à France Compétences. Donc France Compétences devient l'unique organe de régulation du système de formation professionnelle continue et de l'alternance en France, puisqu'après, France Compétences va faire les reversements soit au prestataire retenu pour le conseil en évolution professionnelle, qui sera maintenant doté de son financement propre,
soit aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour le financement du CPF de transition qui remplace le congé individuel de formation, à l'État pour la formation des demandeurs d'emploi, à la Caisse des dépôts pour la formation, pour le financement pardon, du CPF, aux opérateurs de compétences qui, eux, financent l'alternance apprentissage professionnalisation et le plan de formation des entreprises de moins de 50 personnes. Et puis France Compétences fera également un versement à certaines régions pour compléter les financements de l'apprentissage. Vous savez maintenant que les contrats d'apprentissage sont financés avec un financement au contrat dont le montant est décidé par la branche. Voilà. Donc le rôle de France Compétences, il est considérable et ça devient vraiment l'organe principal de régulation. Alors la contribution formation, donc j'ai vu aussi passer une question là-dessus. En fait, elle ne change pas. En fait, on garde les mêmes montants. Alors vous savez peut-être que vous vous souvenez sans doute que dans l'avant-projet de loi, on avait deux contributions distinctes. On fusionnait la taxe d'apprentissage et la contribution formation professionnelle continue. Alors, on a gardé l'affichage d'une contribution unique, contribution à la formation professionnelle à l'alternance, mais en fait, elle se sépare en deux versements distincts, donc une contribution unique, mais deux versements distincts qui a permis de conserver les exonérations ou les particularités régionales ou autres qu'on avait vis-à-vis de la taxe d'apprentissage. Un versement taxe d'apprentissage qui ne change pas si vous étiez déjà assujetti et un versement contribution formation professionnelle continue qui ne change pas non plus. Alors Aurélie, oui c'est ça, hein, ça veut dire que si je reviens un petit peu, alors je ne reviens pas longtemps parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps, mais vous voyez hein, Aurélie, l'entreprise verse à l'URSSAF, l'URSSAF verse à France Compétences qui est ensuite répartie dans les différentes enveloppes. Donc par exemple, France Compétences verse à l'opérateur de compétences qui finance avec ça contrat de pro et puis plan de formation pro A aussi, contrat de pro A, on va reparler, apprentissage et puis le plan de formation des moins de 50. Voilà. Alors, si je continue sur les opportunités de co-investissement, parce que là aussi ça a bougé dans la rédaction du projet et dans la discussion à l'Assemblée nationale. Donc il y avait plusieurs questions tout à l'heure sur que devient la période de pro, est-ce qu'elle est remplacée, etc. Au départ du projet, la période de pro était supprimée, on n'en parlait plus. Au fil de la discussion est arrivé un amendement, donc, qui a été popularisé par Catherine Fabre, la rapporteure du projet, sous le nom de amendement Pro-A, donc appelons-le comme ça, ce nouveau dispositif. Mais vous allez voir, de mon point de vue, on ne peut pas dire qu'il remplace vraiment la période de professionnalisation, parce que, en tout cas, ou alors s'il le remplace, c'est pour revenir à l'esprit premier de la période de professionnalisation, celui de tout au début, quand même assez différent de ce qui était devenu dans la pratique. Donc d'abord, cette proa, c'est uniquement pour les personnes en contrat à durée indéterminée ou en contrat d'insertion. Ça ne concerne pas les personnes en CDD. Ensuite, c'est pour changer de métier ou bénéficier d'une promotion. C'est pas pour aller faire une formation, même certifiante, qui ne permet pas une véritable reconversion ou évolution professionnelle. Et donc, logiquement, par rapport à cet objectif, c'est uniquement pour du qualifiant. Alors, je crois que c'était ça, peut-être l'ambiguïté de la question tout à l'heure, on me demandait est-ce que dans le plan de formation il n'y aura plus que du qualifiant? Non, bien sûr, ce serait impossible, mais par contre, financé par la PROA, il n'y aura que du qualifiant, c'est-à-dire des certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou des CQP. C'est tout. Pour un niveau de qualification défini par décret, alors est-ce qu'on a comme bruit, si vous voulez, autour du texte, c'est que ça serait pour des qualifications d'un niveau maximum de niveau 3, donc licence professionnelle. Voilà. Organisé en alternance et faisant l'objet d'un avenant au contrat de travail. Et mon intuition, c'est que dans cet avenant, on demandera à l'employeur de s'engager, un petit peu comme on faisait jusqu'à présent sur les actions de catégorie 2 au plan de formation, de s'engager à dire en quoi finalement, si le participant bien sûr réussit la certification, il va lui donner des opportunités pour prendre des postes qui seraient disponibles et qui correspondraient à cette qualification acquise, etc.
Donc il y a un avenant au contrat de travail. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est quand même pas la période de pro, hein, qui était beaucoup plus ouverte, et en particulier ouverte au parcours de plus de 70 heures, aux certifications à l'inventaire, etc. Et puis à n'importe quel niveau, on va dire, de qualification également. D'autre part, rien ne dit que les financements resteront les mêmes, hein. Vous avez bien noté qu'on a la même enveloppe, mais on a plus de choses à financer. On a le CEP à financer qui n'était pas financé avant, et on veut mettre plus d'argent pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc, il va bien falloir prendre cet argent sur d'autres enveloppes qui étaient déjà là, par exemple, celles qui servaient justement à la période de pro. Rien ne dit que l'enveloppe pro A sera d'un montant équivalent. Voilà. Donc, alors voilà, c'est ça, hein, ERGF, excusez-moi, monsieur ou madame, l'inventaire n'est pas éligible à la pro A parce que tout ce qui est à l'inventaire, par définition, c'est pas qualifiant. Ce qui est qualifiant, c'est ce qui est ORNCP ou CQP. Voilà. Oui, qualifiant peut vouloir dire CCN, Jean-Yves, pour répondre à votre question. Laurence, oui, bien sûr, mais on en reparlera plus tard, la gestion du plan de formation par les OPCOM. Donc on reste sur notre histoire de co-investissement entreprise salariée. Donc on a vu la pro. Hein. Après, il y a une autre mesure qui a été apportée dans la discussion parlementaire qui parle qui vise l'abondement du CPF. Ce que dit cette mesure, c'est que une entreprise peut conclure un accord collectif pour une période de 3 ans portant sur l'abondement du CPF. Donc dans cet accord, par exemple, on peut dire, ben, nous, entreprise, on est prêt à abonder des CPF sur tel domaine et à abonder de telle manière, par exemple, donner un plafond. Voilà, c'est une négociation. Donc on arrive, on négocie sur les points que l'on souhaite, du moment que ça soit évidemment plus favorable que la loi. Donc on peut négocier l'abondement du CPF. Si on a cet accord, s'il est signé, à ce moment-là, la Caisse des dépôts peut rembourser à l'entreprise qui a abondé une formation en vertu de cet accord. Donc elle peut rembourser à l'entreprise ce qu'il y avait en euros sur le crédit en euros du CPF du salarié au moment de la signature de l'accord. Au moment de la signature de l'accord. Donc si je prends un exemple. Imagine un salarié qui a 1 000 euros sur son crédit CPF en euros. L'entreprise abonde sa formation. La formation coûte, je dis n'importe quoi, 3 000 euros. L'entreprise va verser 3 000 euros d'abondement. Elle va récupérer les 1 000 euros qui étaient sur le compteur du salarié au moment de la conclusion de l'accord, pas au moment de la réalisation de la formation. Voilà. Non, c'est en euros, Myriam. À partir du moment où les CPF seront convertis en euros, donc dans le courant de l'année 2019, on ne parle plus du tout d'heures. On ne parle plus que d'euros. Voilà. Alors Thierry, la partie rému, j'en reparle tout de suite. Alors nous, ça nous interpelle par rapport à notre enquête Ségos, qui demandait, diriez-vous que ces nouvelles dispositions ouvriront un champ de négociation sur le coût investissement entreprise salariée dans votre entreprise? Donc on n'avait pas encore l'avenant, mais on avait déjà l'idée que le CPF monétisé pouvait susciter un espace de négociation. Et effectivement, la réponse des DRH est plutôt positive. 61% pensent qu'effectivement, il y aura plutôt un champ. Donc 69% au total pensent qu'il y aura certainement un champ à la négociation et une négociation plutôt collective. Donc l'idée, ce serait que sans doute. Probablement, une majorité d'entreprises vont en tout cas se poser la question de l'opportunité d'une négociation sur l'abondement du CPF qui leur permettra de récupérer le montant acquis par le salarié au moment de la conclusion de l'accord. Élodie, oui, bien sûr, la proie prend en charge le financement des CQP et ventes, puisque c'est qualifiant, c'est un CQP, mais à ce moment-là, si vous faites une proie, il y aura un avenant au contrat de travail. Au moment de la conclusion de la proie, c'est-à-dire ça sera une condition pour pouvoir bénéficier du refinancement, vous voyez. Voilà. Financement personnel, donc vous voyez ici aussi le fait que les salariés français progressent et européens, mais les Français en particulier qui partent plus loin par rapport à leurs collègues européens, progressent dans leur idée qu'ils sont prêts à financer eux-mêmes une partie des coûts de leur formation ou prêts
à suivre une formation hors temps de travail. Vous voyez ici les résultats des Français, vous voyez qu'ils sont un peu en retrait par rapport à leurs collègues européens, mais nous qui faisons cette enquête depuis des années, on voit que les Français progressent dans l'idée du co-investissement au sens où le salarié aussi contribue par du hors temps de travail, par un investissement monétaire, etc. Alors on revient sur la question de tout à l'heure. Donc, en fait, on distingue deux CPF maintenant. Il y a le CPF que la loi ne nomme pas, elle dit le CPF. Donc, nous, on va l'appeler socle pour plus de communauté. On va dire c'est le CPF de droit commun. Puis, il y a celui de transition professionnelle qui remplace le CIF. Sur le CPF socle, le principe, c'est qu'il est hors temps de travail. Mais ça, c'est comme aujourd'hui. C'était déjà dans la première loi sur le CPF. Mais on sait que beaucoup de salariés tentent auprès de leur entreprise de le mobiliser sur temps de travail. Donc c'est comme avant, s'il veut faire sur temps de travail, l'accord de l'employeur est requis, ce qui est parfaitement normal puisque c'est l'employeur qui va supporter l'absence. Et si l'employeur donne son accord, c'est lui qui prend en charge les coûts salariaux. Donc par rapport à la question de tout à l'heure, il n'y a pas de changement. L'employeur, s'il est d'accord, il n'est pas obligé, mais s'il est d'accord, il prend en charge les coûts salariaux. Ce qui ne l'oblige pas à prendre en charge tout l'abondement hein, des coûts pédagogiques, c'est une autre question. Mais s'il a dit d'accord sur le temps de travail, il prend en charge les coûts salariaux. Et on a ensuite le CPF de transition professionnelle. Qu'est-ce que c'est le CPF de transition professionnelle? C'est un congé rémunéré pour aller se former, comme le CIF. C'est le même principe. Donc, comme le CIF, il faut une autorisation d'absence de l'employeur. Par définition, puisque c'est un congé, il faut une autorisation d'absence de l'employeur. Le dossier est instruit par la commission paritaire professionnel régional. Et donc il est prévu qu'il y ait une prise en charge des coûts pédagogiques et salariaux par cette commission, comme le fonds GESIF décide des prises en charge actuellement. Par contre, rien ne dit que ces prises en charge, en particulier pour les coûts salariaux, seront de même hauteur que la prise en charge des coûts salariaux actuels, puisque justement ce qui est reproché au CIF actuel, c'est de coûter trop cher du fait des montants de prise en charge des rémunérations et donc d'empêcher le fait qu'il y ait plus de 44 000-45 000 personnes qui partent au titre du CIF par an. L'objectif, c'est qu'il y ait plus de gens qui partent sur le CPF de transition professionnelle, et donc sans doute que la prise en charge rémunération sera davantage plafonnée. La petite loi parle d'une rémunération minimale déterminé par décret. Alors, pour les personnes qui lèvent la main, il est préférable d'écrire vos questions. Voilà, d'écrire vos questions et puis soit Sophie répond dans le fil, soit voilà, on répondra de notre mieux possible. Voilà. Ariane, c'est pas défini ça. Est-ce qu'on peut refuser une demande de CPF de transition ou juste le reporter? Moi, mon intuition, ça serait que les conditions d'accès et de report vont être similaires à celles du CIF aujourd'hui, mais ça reste à préciser par décret. Voilà. Y aura-t-il un financement du bilan de compétences comme le faisait le CIF? Écoute. Je crois que c'est encore en cours de discussion. Alors, sur la monétisation du CPF. Donc, le CPF aujourd'hui, vous savez tous, c'est des heures et donc ça devient des euros. Vous savez qu'aujourd'hui, le droit commun, c'est 24 heures par an, on a 48 heures pour les peu qualifiés. Demain, droit commun, 500 euros, 800 euros pour les personnes qui n'ont pas validé un CAP, pardon. On a une déclaration très informelle de Madame Pénicaud qui nous dit l'heure serait valorisée à 14,28 €. J'ai vu une question passer me demandant si c'est hors taxe ou TTC. En fait, le décret ne dira pas ça. Le décret dirait c'est 14,28 € et avec ça, vous payez ce que vous pouvez vous payer. Et donc, vous avez des organismes de formation qui financent TTC, vous avez des organismes de formation qui financent hors taxe parce qu'ils n'ont pas de TVA. Voilà, on achète ce que l'on peut avec la somme que l'on a sur son compte. Vous voyez, là, ce ne sera pas, c'est pas le montant de valorisation qui sera exprimé hors taxe ou TTC. Donc, où est-ce qu'on en est de notre raisonnement? Pour un salarié, imaginons un salarié qui travaille depuis les tout débuts du DIF, voilà, 2005, à plein temps, sans interruption, voilà, ça fait quand même pas mal de conditions, et qui n'a jamais pris ni DIF ni CPF. Aujourd'hui, quand il ouvre mon compte. Mon compte cpa.gouv.fr, mon compte d'activité.gouv.fr, il voit, mettons, 120 heures de DIF, et puis au 1er janvier 2019, normalement, s'il n'a jamais rien pris, il devrait voir 60.
12 heures sur son compteur CPF. Donc, tel que la petite loi est rédigée aujourd'hui, on valorise l'ensemble. On valorise le DIF plus le CPF par 14,28 €. Et ça nous fait un montant qui serait conditionnel, hein, 2741 €. Alors, vous allez me dire, oui, mais le CPF, c'était plafonné à 150 heures. C'est parfaitement vrai. C'est un plafonnement en heures. On ne parle plus d'heures parce qu'on parle d'euros. Et la rédaction du projet tel qu'il est aujourd'hui, ça peut changer, mais peu de chance, est très claire. On valorise bien les heures de DIF plus les heures de CPF acquises. Voilà. Donc, ça nous ferait au maximum 2741 €. Voilà. Donc, non, les CPRI, elles ne sont pas encore constituées, monsieur ou madame Guérineau. Donc, pour le moment, vous continuez tout pareil. La loi n'est pas promulguée. Pour le moment, il n'y a rien de passé. Alors, Attica, CPF étant partiel, en fait, ce que dit la petite loi, c'est qu'on acquiert à 100% si on travaille au moins un mi-temps. Voilà, il n'y a pas de proratisation si on travaille au moins un mi-temps. En dessous, il y a proratisation, sauf accord d'entreprise. Voilà. Alors, du coup, nous, on a demandé aux salariés, pensez-vous utiliser, quand on a fait notre baromètre, là, cette année, donc ce sont uniquement, bien sûr, des salariés français qui répondent, pensez-vous utiliser la somme qui sera disponible pour un projet professionnel, personnel ou les deux? Et vous voyez, ça c'est intéressant, la question c'est comment vont réagir les salariés finalement? Vous voyez que vous avez 38% qui disent professionnel, vous avez 31% qui disent personnel, c'est pas si loin en fait. Voyez. Et les deux, ça peut être aussi un projet très personnel qui s'inscrira dans un cadre professionnel, mais de ma nouvelle profession. Rien n'oblige les gens, hein, à mobiliser leur CPF pour quelque chose qui a en rapport avec leur métier actuel. Voilà, ça peut être aussi, ben voilà, je veux me perfectionner en langue parce que j'adore voyager, et donc je vais faire un bulat dans la langue de mon choix. Voyez, hein. Rien n'oblige à ce que ce soit un projet professionnel. Voilà. Et salariés comme DRH pensent plutôt capitaliser, vous savez, c'est le pays du bas de laine, pensent plutôt économiser leur CPF sur plusieurs années. Vous voyez, on a bon, quand même 30%, c'est pas négligeable non plus, qui nous disent je vais l'utiliser tous les ans. Voilà, et voilà. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ce sera plutôt de la thésaurisation. Du coup, la question, je trouve, qui se pose par rapport à ça, si on revient sur ce qu'on a dit sur la possibilité de négocier un abondement. C'est la question de l'intérêt pour l'entreprise de dire, ok, est-ce qu'il y a un intérêt commun à mobiliser le CPF pour des formations dont les gens n'ont pas besoin pour leur travail immédiat, ça, bien sûr, sinon ça relève du plan, mais qui peuvent être très intéressants pour eux dans une perspective d'évolution à l'intérieur de l'entreprise ou de compétences demandées par le travail de demain, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt à jouer ce co-investissement? Moi, j'abonde. Le salarié fait sur temps de travail, ça représente un intérêt pour lui, ces deux choses-là. Et en conséquence de quoi, il le fait sur un sujet qui nous intéresse en commun. Voilà. Et ça, c'est tout l'intérêt de se mettre dans une perspective de négociation. Les critères d'éligibilité, monsieur ou madame Dupuy-Guérin, ben, en fait, ce qui change, c'est que, mais ça c'était déjà dans mon projet, c'est qu'il n'y a plus de liste. Donc tout ce qui est RNCP, tout ce qui est aujourd'hui inventaire, qui devient demain le répertoire spécifique, tout ce qui est CQP, ça devient éligible. Voilà. 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 Donc pour répondre à une question sur l'éligibilité des parcours qui ne sont au CPF, qui ne sont. Voilà, aujourd'hui, bah, voilà, votre formation pour être éligible au CPF, elle doit être au RNCP ou à l'inventaire actuel, qui sera demain le registre spécifique, ou bien être un CQP. Voilà, il n'y a pas d'autres possibilités sur le CPF. Alors, un point, parce que je ne suis pas en avance sur l'horaire, je vais me faire discuter par le staff, un point sur les obligations de l'employeur. Donc, en fait, ce qui n'a pas changé, c'est ce que l'on regarde tous les 6 ans. Vous savez que depuis la loi du 7 mars 2014, donc prochaine échéance 7 mars 2020, on regarde tous les 6 ans. Si on a bien fait, un entretien professionnel tous les 2 ans. Donc 3 entretiens professionnels en tout sur 6 ans. On dit juste qu'il faut ajouter dans cet entretien des informations sur le CPF et le CEP. Bon, très bien. Et puis on fait un état des lieux, on regarde si la personne a suivi au moins une formation, acquis des éléments de certification, et bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. Aujourd'hui,
pour les entreprises de plus de 50 salariés uniquement. Quand on fait ce bilan, s'il n'y a pas au moins tous les entretiens, plus 2 sur 3 de ces éléments-là, 2 sur 3 de ces trois éléments, eh bien, ça déclenche le versement d'un abondement correctif, qui est aujourd'hui bien sûr en heures, mais valorisé à 30 euros de l'heure, un abondement correctif sur le CPF du ou des salariés concernés. Alors, ce qui change, c'est ça. C'est que demain, on regarde toujours les mêmes choses au moment du bilan, mais l'abondement correctif, ses conditions de déclenchement changent. Et là, il y a un point qui n'est pas très clair. Francine, non, les heures de DIF ne sont plus périssables à fin 2020. C'était fin 2020, hein, Francine. Pour une raison, c'est simplement qu'elles ont été converties en heures avant. Donc, elles ne peuvent pas être converties en euros avant. Donc, voilà, elles seront intégrées au porte-monnaie. Voilà, on n'en parle plus. Donc, qu'est-ce que nous dit la petite loi? Elle nous dit, si le salarié n'a pas bénéficié de son entretien professionnel tous les 2 ans, et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à cet article de loi, L6321-2, il y a un abondement correctif qui est égal à 6 fois le montant annuel du CPF, donc en gros 3 000 euros pour un salarié qui a au moins un CAP. Ah bon, alors on se dit, bah, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est qu'une formation autre que celle mentionnée à cet article-là? Donc il faut regarder ce que nous dit cet article. Alors dans cet article, il y a les actions qui conditionnent l'exercice d'une activité. Donc, il faut avoir une habilitation électrique pour faire certaines opérations électriques, il faut avoir certaines autorisations pour faire pour vendre des crédits, des choses comme ça. Très bien. Ça, c'est facile. Et il y a les actions d'adaptation au poste de travail. Vous savez, l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, c'est obligatoire et c'est dans cet article. Et puis, dans cet article aussi, il y a toutes les actions qui sont liées à l'évolution, au maintien dans l'emploi. Vous savez. L'employeur veille à l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi ou à son maintien dans l'emploi. Donc finalement, il faut qu'il y ait eu ces entretiens et une formation qui ne soit ni obligatoire du fait de la loi, ni une formation d'adaptation, ni une formation évolution au maintien de l'emploi. Sinon, il y a déclenchement de l'abondement correctif. Alors évidemment, la question c'est, mais qu'est-ce qui reste une fois qu'on a dit que l'action de formation, il faut pas qu'elle soit d'adaptation, il faut pas qu'elle soit en lien avec le règlement, il faut pas qu'elle soit une anticipation des évolutions d'emploi. Et ça, c'est un vrai problème, parce que on est tous en train de dire qu'il faut que la formation soit au plus près du réinvestissement en situation de travail et des questions que fait se poser le travail. Donc c'est un peu délicat de dire que finalement la seule chose qu'on va regarder, c'est que le salarié a bien suivi une formation qui n'a pas de rapport avec son travail. Voilà. Donc peut-être que le texte va évoluer sur ce point. En tout cas, dans sa version actuelle, voilà où il en est. Oui, le développement perso, oui, Eric, mais enfin bon, voilà, oui, c'est vrai. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce projet, c'est que c'est un vrai changement culturel pour les actifs et pour la fonction formation. Les actifs, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une facilité d'accès à un CPF dématérialisé. Vous vous souvenez, Madame Pénicaud avec son smartphone, avec l'appli, je choisis, paf, la Caisse des dépôts verse directement le crédit à l'organisme, etc. Donc, une facilité d'accès et surtout une désintermédiation, avec un libre choix. Côté l'entreprise, on voit bien à travers vos questions que bah, il y a toujours l'idée de se dire, bah oui, mais pour ce qui sort un petit peu de du strict respect réglementaire, etc., et qui va un peu plus loin, avant on avait la période de pro, voilà. Bon, donc c'est vrai que la logique d'optimisation financière va devenir quand même plus compliquée. Hein. Bon, vous avez vu que la ProA, c'est plus contraignant que la période de pro. Vous avez vu que l'abondement du CPF, bah, il va forcément coûter plus cher, parce que le taux de prise en charge moyen était de 40 euros de l'heure, hein, sur le CPF, donc forcément 14 euros, voilà, c'est pas 14,28 euros, voilà, 40. Voilà. Et donc l'idée, c'est à la fois que l'entreprise finalement finance les investissements en formation qui lui semblent nécessaires pour sa performance, mais aussi que le salarié devienne autonome dans son projet. Voilà. Alors du coup, voilà, je vais peut-être regarder quelques questions. La date du premier bilan à 6 ans, non, 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 en fait, il n'est pas prévu que cette date change. Et c'est une très bonne question, Anne, parce que ça met
en cause un petit peu le principe de la non-rétroactivité des lois, c'est-à-dire qu'en 2020, vous serez redevable de ce que l'on regarde avec la nouvelle loi, mais par rapport à la période de 6 ans écoulée. Voilà, donc ça aussi, c'est une fragilité juridique et peut-être que ça serait susceptible de renvoyer au moins cet article devant le Conseil constitutionnel. Oui. Donc du coup, il y a un certain nombre de questions à se poser aujourd'hui. Quelles sont les formations que vous allez identifier comme relevant de votre obligation, puisqu'au moment du bilan à 6 ans, on va regarder ce qui n'était pas obligatoire. En tout cas, dans la rédaction actuelle, ça peut bouger, ça, je pense, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont alerté sur cette difficulté de mise en œuvre et d'utilité, finalement, du dispositif. Qu'est-ce que vous allez prendre en compte comme action de formation? Vous avez vu que la définition s'est ouverte, on en avait largement parlé la première fois, et que maintenant, on n'a plus d'abord un programme, un encadrement pédagogique, etc. On a d'abord un objectif professionnel et on remonte vers un parcours avec toute solution qui est adaptée finalement pour développer les compétences visées. Toute solution pouvant être de la formation en situation de travail, du tout distanciel, des expériences à vivre au travail analysées, dont l'analyse est accompagnée, etc. Donc qu'est-ce que vous, dans votre entreprise, vous allez prendre en compte comme action de formation qui va nourrir votre plan de développement des compétences. Et du coup, si vous prenez en charge des choses un petit peu informelles, comme la formation en situation de travail, bah, comment vous allez en assurer la traçabilité? Voilà, ça c'est des questions à se poser. Qu'est-ce que vous allez faire du hors-temps de travail? Vous avez vu qu'aujourd'hui, sur la catégorie 2, on pouvait aller jusqu'à 80 heures par an et par personne. Demain, on a 30 heures par heure par an et par personne, avec l'accord du salarié, bien sûr, et pour des formations qui ne sont pas obligatoires, toujours. Hein, voilà. Donc, est-ce que vous allez utiliser ou pas cette opportunité? Est-ce que vous allez utiliser les opportunités de co-investissement, PROA ou CPF? Est-ce que vous allez finalement garder un rôle dans l'orientation de vos salariés? Justement pour les orienter vers la PROA, vers du CPF qui serait utile aux deux parties, ou est-ce que ça vous allez vous dire moi entreprise je me centre sur ce qui m'est nécessaire et le salarié je le renvoie à son CEP et à son CPF. Voilà. Voilà, donc ce sont aussi des questions. Et donc voilà, et puis comment est-ce que vous allez anticiper ben, les premiers impacts? Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les financements restent les mêmes, au moins jusqu'à la fin de l'année, les OPCA peuvent, pour les formations qui commencent avant la fin de l'année, les OPCA peuvent s'engager sur des financements en période de professionnalisation. Voilà, on a un certain nombre de fonds GESIF aussi qui ont dit qu'ils continuer les financements, en particulier le fonds GESIF Île-de-France qui continue les financements des CIF pour toute action de formation qui commence avant le 29 mars 2019. Alors c'était que l'Île-de-France, hein. Je ne sais pas comment feront les autres. Voilà, donc il y a quand même des choses à anticiper, se dire dans le régime actuel, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressaient au titre de la période de pro ou au titre du CPF qui intéressait mes salariés, qui m'intéressait aussi, et du coup je vais les encourager à le mobiliser. Voilà, c'est une réflexion à avoir assez vite pour lancer les dossiers d'ici la fin d'année. Voilà. Voilà, et bien sûr, nous sommes tout prêts à vous accompagner, bien sûr, dans votre stratégie de certification qui va devenir le nerf de la guerre. Hein, j'aurais pas dû faire ça, moi, j'ai cliqué sur un lien. Voilà, votre stratégie de certification qui va devenir le nerf de la guerre dans votre conseil en financement pour innover, avoir des solutions les plus efficaces possibles, parce qu'on va encore plus se recentrer sur le retour sur investissement, la preuve de l'efficacité des investissements formation, et puis transformer la fonction L&D dont on a vu qu'elle se décentrait finalement d'un rôle qui était auparavant beaucoup focalisé sur l'optimisation financière, à un rôle qui sera plus de l'ingénierie de développement des compétences, avec tout moyen pour développer des compétences. Donc voilà pour cette présentation. Je refais un petit tour dans toutes vos questions pour voir s'il restait des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Voilà, 1000 euros par an, pas grand-chose comme formation. Oui, surtout Aurélie, que c'est plutôt 500 en fait. Hein, c'est 500 ou 800.
Aurélie, oui, il y a tout à fait un abondement qui est possible par les OPCOM, mais il faut qu'il y ait du versement en plus du légal, parce que si vous reprenez le tableau de financement que j'avais tout à l'heure, vous voyez que les OPCOM, ils ne sont pas supposés, sur le légal, financer du CPF. Par contre, une branche peut très bien décider d'un versement conventionnel et décider qu'une partie de ce versement conventionnel abondera certains CPF. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Donc, il va s'engager là dans les mois qui viennent, sans doute beaucoup, beaucoup de négociations de branches pour du versement conventionnel. Voilà. Donc, une partie de vos opportunités aussi financières dépendra de là. Mais évidemment, ce sera quand même une somme à verser en plus du légal. Voilà. Ben, je dis au revoir à tous ceux qui nous quittent parce que c'est vrai, ils ont raison, c'est l'heure. Et pour les autres, voilà, on peut rester un petit peu ensemble. Il n'y a vraiment pas de souci. Merci à vous en tout cas d'avoir participé et de toute l'intensité des échanges. J'ai eu plein de questions défilées. Voilà, heureusement que Sophie assurait en backup. Voilà. Voilà. Donc, ça défile tellement vite en fait que j'ai même pas le temps de lire les questions. Voilà. Voilà. Si des opcoms se regroupent, alors en fait. Comment, les OPCAM, ça va être par définition plusieurs branches à l'intérieur, par définition, puisque c'est voulu comme ça. Après, moi, mon idée de la question, c'est qu'au sein d'un OPCOM, ça va être un genre d'interpro, si vous voulez. Au sein d'un OPCOM, vous allez avoir plusieurs sections professionnelles, chacune représentant sa branche. La branche reste, et la branche reste en fait l'instance où s'élabore le droit conventionnel. Ça ne change pas. Hein, donc c'est bien au niveau de la section professionnelle de l'OPCOM qu'à ce moment-là sera perçu le versement conventionnel et éventuellement même votre versement volontaire. On sait qu'il y a pas mal d'entreprises depuis 2015 qui ont sanctuarisé leur budget formation en faisant un versement volontaire à l'OPCA, ce qui leur permet de bénéficier de prestations supplémentaires de l'OPCA. Ben ça, il n'y a pas de raison que ça ne reste pas. Simplement, ça sera à la section professionnelle de l'OPCOM. Voilà. Dalida, la liste des questions-réponses avec le repair. Hein, je laisse voilà, le back-office vous répondre, parce qu'en fait, j'en sais rien, mais je pense, oui, je pense que ça défile en même temps. Oui. Voilà, donc voilà, comme le dit Sophie, hein, les plus de 50 peuvent décider un versement volontaire à leur opérateur de compétences. Un webinaire pour les organismes de formation. Marie, c'est une bonne suggestion. On va réfléchir à ça. C'est une bonne suggestion. Ouais. Merci de votre proposition. Ouais. Voilà. Voilà, merci beaucoup Maxime, c'est très gentil. Merci de votre retour. Voilà. Alors Amélie, la formation interne entre pairs sur le travail, bah oui, on a une reconnaissance, une vraie reconnaissance de la formation en situation de travail qui est même explicitement citée par le projet. Donc elle est simplement reconnue comme une formation, mais attention, c'est pas juste bah tu travailles et puis quand tu as un problème, tu demandes à Nadine. C'est on organise un parcours par rapport à un objectif professionnel et avec un accompagnement des séquences de réflexion sur le travail et des séquences d'échange entre pairs, bien sûr, mais c'est quand même un minimum formalisé. Hein. C'est pas juste je te mets dans un groupe de travail et tu vas forcément apprendre. Hein. Il y a quand même un minimum de formalisation. Mais dans cette limite-là, il y a une vraie reconnaissance et il va y avoir un décret sur la formation en situation de travail qui nous donnera toutes les conditions à respecter. Mais vous pouvez déjà regarder le rapport du CNEFOP. Qui est extrêmement complet et très très intéressant sur le sujet, après toutes les expérimentations, là, les 11 expérimentations avec les OPCA, voilà, qui ont été menées. Une veille juridique, oui, bien sûr, sur notre site, Angélique, il faut aller sur segos.fr, vous cliquez en haut, c'est la rubrique actualité, là vous avez une rubrique réforme, et là on a un travail formidable de notre collègue Nathalie qui met à jour très scrupuleusement et très régulièrement cette rubrique. Et puis, vous pouvez aussi vous connecter sur le blog de la formation professionnelle. Voilà, formation-du-6-professionnel.fr et où régulièrement on publie des billets alors qu'ils font le point sur tel ou tel dispositif. Voilà. Voilà. Donc je pense qu'on a répondu à la plupart des questions, j'espère en tout cas. Je vous laisse finir si vous avez d'autres questions ou que vraiment vous avez une question brûlante à laquelle on n'a pas répondu. Voilà. N'hésitez pas. Et puis en tout cas, un grand merci pour votre fidélité, pour votre confiance et pour vos retours. Patrice et l'action collective, elles deviendront ce que deviendront le versement conventionnel.
À part pour les petites entreprises, hein, les moins de 50, l'OCA peut toujours faire des actions collectives sur le légal, puisqu'il y a toujours une part de la collecte. Voilà. Pour les autres, bah, s'il y a du versement conventionnel, elle peut très bien servir à financer des actions co. Vous voyez, tout va dépendre de ça, en fait. Hein. Voilà. Des abondements d'heures par les OPCO jusqu'au 30 juin 2019. Ouh, ça fait tard. Non, en principe. Non, moi je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça, monsieur ou madame EGRF. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que jusqu'au 30 juin, peut-être que certains OPCA continueront à abonder le CPF, mais c'est pas garanti. Voilà. C'est pas garanti. En fait, je pense que l'année 2019, ça va être une année de transition. Et si vous voulez faire être à peu près sûr d'un abondement OPCA sur le CPF, je vous conseille de l'engager avant fin 2018. Le coût horaire du CPF intègre les frais annexes. En fait, Mélanie, oui, c'est un coût, puis avec ça, vous payez ce que vous. Enfin, le salarié ou pas salarié, d'ailleurs, l'actif se paye ce qu'il veut. Voilà, donc ses frais, son coût pédagogique, oui. Et bonnes vacances, Philippe. Merci. Le rapport CNEFOP, Marianne. CNEFOP. Vous faites CNEFOP Fest, formation en situation de travail sur Google, et vous allez trouver, il est super, vraiment super. La réponse sur la TVA, bah, en fait, c'est simple, EGRF. Mettons qu'on dit c'est 14,28 € de l'heure. Donc on dit aux salariés, bah voilà, on multiplie votre crédit par 14,28 € et ça vous fait 2 740 €. Avec ça, il s'achète ce qu'il veut, soit l'organisme facture TVA comprise, et du coup, bah, il s'achète quelque chose, un prix qui comprend une TVA. Soit il s'adresse à un organisme qui ne facture pas la TVA, vous avez des organismes de formation qui ne facturent pas la TVA, bah, ils payent un prix hors taxe, mais la loi ne traite pas de soi. La loi traite du crédit dont bénéficie le salarié. Avec ça, il se paye ce qu'il peut se payer. Voyez. Donc la loi ne regarde pas, en fait, ne valorise pas en fonction de hors taxe et TTC. Voilà. Merci, merci beaucoup Myriam. Oui, c'est vrai que c'est court. C'est pour ça qu'il faut venir à la journée d'actualité. On a vraiment plus de temps pour se demander ce qu'on fait de tout ça. Parce qu'il y a le droit, mais après, il y a et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Le plafond de 5 000 € prend-il en compte d'éventuels amendements? Non, Amélie. Les amendements, c'est en plus. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, le CNEFOP. Merci Sophie de l'avoir écrit. Moi, j'arrive jamais à écrire et à parler en même temps. C'est une vraie catastrophe. Romain, non, je pense que non. Je pense qu'il risque moins d'avoir de détournement, en fait, parce que finalement, bon, je pense qu'il y avait quand même eu beaucoup de ménages de fait depuis 2012 sur cette question. Et puis, finalement, le système est très contrôlé maintenant, puisque les organismes de formation qui prestent pour des formations faisant l'objet d'un financement vont devoir être certifiés, seront étroitement contrôlés. Non, je pense en fait que les détournements qu'on a pu connaître dans le passé, là franchement il me semble que le système est plus verrouillé. Hein, voilà. Voilà, j'ai encore quelques questions. Bon appétit à tous. Voilà. Voilà. Webinaire pour un OF. Bon écoutez, on a bien noté la demande et on va étudier tout ça. Voilà. Voilà, référent. Il y a Nathalie qui vous met la référence. Alors, voilà, c'est en matière de droit, finalement, là, vous avez l'essentiel, mais ce qui est surtout important, c'est de prendre du temps pour se poser, faire le point sur sa politique formation actuelle et se dire, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et ça, une journée, c'est pas trop. Voilà, une journée vraiment de réflexion partagée avec d'autres responsables formation, avec nous. Voilà, c'est un grand plaisir de vous accompagner dans cette réflexion. Monsieur ou madame EGRF, les critères du Datadoc, en fait, il va y avoir un référentiel de certification. Sans doute que être au Datadoc, c'est déjà un très bon point, et sans doute qu'on ne sera pas si loin des critères actuels. Voilà, donc c'est déjà un très très bon point. Mais vous dire si ça sera les mêmes et si ça suffira, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, Romain, qui est votre interlocuteur en PACA. Oui, parce qu'on l'a fait, bien sûr, sur toute la France. Alors, sur le hors-quota, j'ai vu une question passer sur le hors-quota de l'apprentissage. Ça bouge pas et ça finance la formation initiale. Voilà, hein, les 0,08. Ouais. Voilà,
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci de votre participation très très active et de toutes vos questions. On a hâte pour le prochain séminaire. Oui, on a bien compris. Merci Marie. Et voilà, donc bah, à bientôt à la rentrée alors. Hein. Bon été à tous. Oubliez bien sûr toute la réforme de la formation professionnelle pendant vos vacances et puis on se retrouve à la rentrée avec la promulgation de la loi et sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Au revoir.